bien compris, donc votre cam s'est décrit. À quel point votre éditeur apprend que vous êtes fait une tendinite au poignet, c'est ça? Oui. Est-ce que ça va mieux? Tout à fait, je crois qu'elle est en train de revenir. Alors, on va commencer par notre compte Instagram qui rassemble près de 630 000 abonnés selon mon dernier décompte aujourd'hui. Vous avez ouvert en février 2017. Non. Vous publiez chaque jour ou presque, voire plusieurs fois par jour, des captures d'écran. Putain, la lourdeur, quoi. Eh, même si tu veux pas nous raconter, te voir comme ça, c'est tellement touchant. Ah non, moi je veux qu'il me raconte, je suis désolé, c'est mort. Allez, dis-nous tout. Ah, je vis avec deux attardés, voilà. Ah, tu dis ça parce que t'es un adulte maintenant. C'est devenu un homme. Petit Ken, dis-moi, franchement. Ah ouais, ça se la raconte maintenant. Ouh là là. Non, mais c'est juste que j'ai un charme un peu trop avant-gardiste pour les filles d'aujourd'hui. Il dit wesh, frangine. À toutes les filles qui croisent dans la rue, il dit que c'est avant-gardiste. Ouah, ça c'est ma technique de mec détaché. Simon. C'était bien ou pas? Non, c'était de la merde. Ça veut dire que c'était bien, ça. C'est bien, Jong, bravo. Hé, hey, Simon, tu feras gaffe de pas devenir trop con, d'accord? L'amitié, c'est fragile. Ouais, j'y bosse tous les jours, mec. Allez, file, mon fils. File. Tu montres une photo? Tiens. Elle est hyper belle. T'as vu? Ça fait combien de temps? 2 mois pile. Enfin, presque, quoi. Ça se passe bien? Ouais, franchement, ça va, ça. On se prend pas la tête, ça se passe tranquille. C'est cool, quoi. Quoi? C'est lequel des deux qui se prend pas la tête? Bah, ni l'un ni l'autre, on est cool comme ça. Quoi? C'est pas plutôt elle qui se prend pas la tête et puis toi tu suis parce que t'as peur de la saouler? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu dis on. Voilà, donc c'est toi qui subis. Sinon tu dirais je. Tu dirais pour l'instant je me prends pas la tête. Bah, pardon, mais je pense que quand Maud elle parle de vous deux à ses copines, là, elle dit je. Hein. Bah, je dis on parce qu'on est d'accord tous les deux, c'est tout. Vous avez déjà parlé de ce que vous êtes l'un pour l'autre, de ce que vous voulez? Genre quoi, combien on veut d'enfants, la marque Guyen, chez tout? Non, bah, on va pas parler de ça. Mais c'est pas ça la question. Bah alors c'est quoi? Bah la question c'est est-ce qu'on peut niquer avec d'autres gens? Bah ouais. Pardon, mais si t'as pas posé la question, t'es pas vraiment un couple. Donc pour être un couple, selon toi, il faut se jurer fidélité au bout de 2 mois, c'est ça Mais pas forcément. Mais alors? Bah elle peut très bien avoir plusieurs partenaires officiels, par exemple. Bah ouais, des couples polyamoureux, ça existe, hein. Bah tu kennes avec d'autres gens, toi? Mais non, il y a d'autres modèles. Bah s'il y a d'autres modèles, voilà, on n'a pas besoin d'en parler. Ah. Bah ça a un nom, ça, tu sais. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des sex friends. T'en prends une? Ouais. Tu ressens quoi, toi? C'est-à-dire? T'as peur que ça s'arrête? Peur, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas envie. Bah, tu la kiffes. Ouais. Bah ouais, mais faudra lui dire. On verra. Et genre, tu lui dis que tu la kiffes et que t'as envie que ce soit officiellement ta meuf, ça se fait pas? Moi, je lui ai déjà lancé une perche. Moi, je pense que t'as pas été assez clair. Hein. Si, j'ai été assez clair. Non, franchement, c'est tellement connu. La meuf qui fait genre les détachés, en fait, elle pense qu'il y a un truc, c'est de mettre la bague au doigt. Après, tu peux même plus faire la bise à ta cousine, tu penses qu'elle a des nichons. Quelle cousine? Moi, je pense pas que Modeste soit comme ça. Mais si tu penses ça, c'est que sa stratégie, elle marche parfaitement, mec. Regarde Antoine et Sophia, au bout de 6 mois, c'était plié. Il a quitté la coloc du jour au lendemain. Ouais, mais Sophia, elle m'a dit de lui dire, moi. Bien sûr qu'elle t'a dit de lui dire, elle prêche pour sa chapelle, Sophia. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'elle a fait avec Antoine, elle veut faire pareil avec toi. Ouais, mais après, c'est le principe du conseil, non? Ce que je te dis, c'est d'arrêter de penser Maud, manger Maud, dormir Maud. Parce que c'est ça qui lui fait peur, moi, je pense. Mais c'est quoi, en fait? C'est ton côté au taquet, comme ça, tout le temps. Au taquet. Arrête. Mais là, t'es en train de dire qu'elle a peur qu'il soit au taquet. Ouais, exactement. En même temps, tu. Elle fait genre qu'elle veut lui mettre la bague au doigt. Ouais. C'est pas un peu contradictoire, là? Si, c'est contradictoire. En fait, c'est pas le problème. Dans tous les cas, il faut que tu prennes de la distance parce que t'es gagnant quoi qu'il arrive. Si elle te met la bague au doigt, toi, tu gardes ta liberté, voilà. Et si elle est trop à fond, elle a moins peur. Tu vois?
Les gars, si vous parlez pas, de toute façon, c'est parce que j'ai raison. Putain. Dos. Bim, 3-0. Donne. Franchement. Ah là 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 là. Donne la manette. C'est insupportable. Wouhou. Vas-y, change les équipes. Dion. Non, oh, arrête, là, fiston. Arrête, Excuse-moi, Simon. Salut. Tu peux me prêter ton téléphone, s'il te plaît? J'ai plus de batterie, j'aimerais bien appeler une copine. Vas-y, tiens. Non, non, t'inquiète, c'est bon, ça. Tiens, comme ça, t'as mon numéro, au cas où. Salut. Salut. Allez, viens, y va. Attends, attends, passe mon numéro. Quoi? Mais c'est pour moi. Mais non, c'est pas pour toi. Ah, c'est-à-dire que j'ai aucune chance? Mais je t'ai pas dit ça, mais t'as même pas essayé de lui parler. En tout cas, la technique du téléphone, je vais lui faire. Comment ça? Bah, je veux dire, madame, excusez-moi, j'ai plus de batterie. J'ai oublié un ami chez moi et il faut que je lui envoie un texto. Allez, t'es sérieux? Je te fous ma gueule. Allez, déjà, tu lui as dit salut, elle a pris peur, allez, trace. Hey, t'es un vrai bâtard, allez, toi. Allez, hey, t'es un vrai bâtard. Allez. Hey, Chut, arrête. Putain, elle répond pas. Elle est partie, putain. C'est Maud? Ouais. C'est pourquoi? Chier, putain. Vas-y. Vas-y. Ça sert à rien, c'est bon. Fais chier, putain. Mais quoi, elle t'a dit quoi, là? Mais rien, c'est bon, elle est vénère, elle est archi-vénère. Mais elle est vénère pourquoi, là? Mais parce que je parlais à la meuf de tout à l'heure, là, du bar, là. Ah ouais, tu sais quoi, au pire, tu me la présentes, tu dis à Maud que t'as fait ça pour moi, et de toute façon, tout le monde sait très bien que je suis un galérien. Vas-y, si tu veux, vas-y, va lui parler, moi, je vais rentrer. Tu veux partir, là? Vas-y, on y va, c'est bon. Eh non, moi, je passe une bête de soirée, là. Je vais pas partir parce que t'es compliqué avec les nanas. Vas-y, c'est bon. Vas-y, je vais tenter un coup. Tu envahis mes pensées, j'arrive pas à lire mon bouquin et j'ai grillé un stop sur la route. Vous êtes réconciliés du coup? Tu me plais, pas mal même. Dans la vie, tu passes ton temps à rencontrer des gens bien, des gens cons, des gens à qui tu diras une fois bonjour, mais aussi des gens importants d'emblée. Une personne avec qui l'alchimie arrive comme une baffe, une connexion, comme l'impression de se connaître depuis toujours. Tu te retrouves dans ce qu'elle est, c'est presque flippant de réaliser à ce point que vous avez la même vision de la vie. Pour moi, cette rencontre a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. Elle a été confirmée durant ces deux derniers jours et maintenant, je peux plus me passer de toi. C'est pas vraiment trop beau, hein. Je l'adore. Le message ou Simon? Oh bah, les deux. En tout cas, il sait te parler, hein. Grave. Bon, y'a quoi, meuf, là? Je connais la chanson, c'est tout. Putain, mais c'est quand même dingue, ça. À chaque fois que je suis heureuse, j'ai l'impression que ça te fait vraiment chier. Tu vois, genre, maintenant, ça me stresse de te raconter mes histoires. Pas de ma faute si t'as jamais rien à raconter, toi. Attends, mais t'es sérieuse, là? C'est bon, je me casse. Non, mais pardon. Ok, excuse-moi, je suis une connasse, pardon. Vas-y, tu peux me gifler, si tu veux. Non, pardon, je plaisante. Moi, il y a un truc que je comprends pas, en fait. Tu me lis ces messages, genre, il est génial et tout, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Mais moi, je devrais faire comme si de rien n'était. Enfin... On sait toutes les deux ce qui va se passer, donc faut que t'arrêtes de te mentir à toi-même, en fait. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est si ce mec il va changer ta vie. Si tu l'aimes. Tu vois? Je veux plus d'histoire, en fait. Ben, il est dans un petit coin à part. Ok. Donc, ce qui est dans ta bouche et qui voit un je l'aime, tu dois lui dire, meuf. De quoi? Que je l'aime? Non. L'autre truc. Plus t'attends et plus il va souffrir. Et c'est toi qui vas être blessé au final. T'as raison. C'est quand même con, non? Ok, c'est bon, je vais lui dire. C'est promis. Bah, tu me tiens en juice alors.
Je les aime bien quand même, tes petites histoires de merde. Bon, allez, salut. Le numéro 420. Le 420. Ah oui, pardon, c'est moi. Bonjour. Bonjour. J'ai récupéré un passeport au nom de Maud Guérino, s'il vous plaît. Très bien, il va me falloir une pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui. Tenez. Merci. Je vais vous demander de patienter une minute, je reviens. Et voici votre passeport. Je vais vous demander deux petites signatures ici et ici, s'il vous plaît. Très bien, merci. Et voici votre reçu. Je vous conseille de le garder. C'est tout ? Oh oui, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Pardon, au revoir.